C'est une question que nous voulons élucider. Nous le disons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des réseaux, les services de renseignement qui le disent, je pense que ce que vous nous rapportez vient des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux attribués à ces services de renseignement. Ce sont des, je ne dis pas des supputations, ce sont des informations que nous devons vérifier. À l'instant précis, je ne confirme pas cela. Je peux vous dire juste quelque chose. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, d'abord l'après-midi, 11h, prendre une correspondance. Il est revenu à 16h et parti. Il a été reçu à la cour consulaire à 16h02 pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h et à la fin de cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h et ça a été enregistré à 16h02. Cette personne est entre nos mains parce que, aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voudrais vous le dire, aux alentours de 20h pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. J'espère que vous me suivez. Il part d'ici à 16h02. Il revient aux alentours de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers 8h ce matin, ou vers 6h, il se présente à 8h devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps ou la voiture. La voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici, les ONU utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16h et 6h du matin, ou 20h quand il revient ici, ou entre 20h et très tôt ce matin, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement? C'est ce matin. Autant de questions. Donc ne me poussez pas à en dire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okene était venu ici, à la cour consulaire, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je vais dire. Excellence, vous venez de prendre part à la réunion de sécurité que vient de présider son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Que peut-on savoir, sur quoi apporter la réunion de tout à l'heure? Nous sommes tous d'abord sous le choc, le président de la République en premier, le Premier ministre et nous tous membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici et sûrement toute la communauté congolaise, de voir cet acte ignoble posé contre l'un de nos collègues il y a quelques mois, à savoir l'honorable Chérubin Okende Senga. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables de services de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour qu'une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services et
Nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers, des pays amis, pour qu'en toute transparence et très rapidement, nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Mandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé, parce qu'il y a visiblement une volonté de semer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la Francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout dans le pays. Merci. Tu réponds aux questions? Est-ce que vous souhaitez répondre à toutes ces déclarations des acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui parlent d'un assassinat politique? Est-ce que le gouvernement voudrait répondre à toutes ces accusations? Écoutez, nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bon aloi. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé, l'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé, il devait faire une visite sur terrain. Et le premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ce jour, parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns les autres, que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire... C'est un homme politique, évidemment, qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend. Mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations, alors qu'il y a une enquête qui a commencé au niveau de la police et il y a une enquête pluridisciplinaire qui va commencer, que nous voulons transparente, que nous voulons ouvrir à des services étrangers, parce qu'il est question d'établir tous les faits vrais. Peut-être faudrait-il attendre la fin de l'enquête pour aller dans ces différentes conclusions. Nous sommes gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur les mesures que nous prenons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous veillons sur le pays. Merci. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.